Ce qui nous donne mauvaise réputation à Maurice, c'est quoi? Première affaire, le cas d'attouchement lui-même. Et second, j'ai insisté là, le fait que nos réactions finissent mal appropriées. Nos réactions finissent timides. Et moi, je viens de dire, le fait qu'il nous tardait pour prendre action disciplinaire contre Thierry Van Gadem, fin fait la une de plusieurs journaux à l'étranger. Moi, je prends là, mon papier. The Guardian donne comme un journal anglais très connu. Il vient dire no disciplinary action taken by Mauritius Athletics. Ce qui fait un choc ban le monde entier, la presse internationale et le monde entier, c'est le fait qu'alors qu'il fait un rapport le cas le 1er avril officiellement au comité olympique mauricien, dans une réunion, Tiflin confirme son allégation. Ce n'est que le 8 avril que le comité olympique mauricien suspend M. Thierry Van Gadem. Donc, 7 jours après, du 1er au 8, 7 jours après, qui fait ça. Ce qui fait un choc du monde, c'est les pressions qui font gagner l'eau, Mlle Roussan, pour ne pas donner une déclaration. En particulier, ça l'appelle. Je me trouvais dans une route corrissée un petit peu ce matin. C'est l'appel téléphonique de Philippe Howe à M. Vincent, Vivian Gangaram, le matin du dimanche, pour se convaincre qu'il ne faudrait pas donner une déclaration. Et tout à son honneur, M. Gangaram finit d'insister. Donc, mon point, c'est quoi? C'est qu'au lieu de nous travailler pour encourager des gens qui dénoncent ban allégations, cas d'harcèlement et d'attouchement. Et peut-être même d'autres, pire. Au lieu de nous encourager ça, le comité olympique mauricien finit de faire tout ce possible. Au lieu de soutenir la victime, il finit de soutenir l'accusé. Et Philippe Howe, il même dit que pour lui, victime, c'est Thierry Van Gadem, c'est pas Mlle Roussan. C'est une la honte pour nos pays. Manière que le comité olympique mauricien fin handle toutes ces affaires-là. L'infer, nos pays gagnent honte internationalement. Et c'est pour cela qu'il nous besoin de l'enquête, premièrement, pour que ça ne pas répéter ce manière de agir à venir, et second, pour que s'il y en a d'autres cas d'harcèlement et d'attouchement qui fin arriver dans le sport mauricien, ban sportif-là gagne le courage de dénoncer en sachant qu'ils ont un comité olympique qui soutenir ça qui a été démarche là. Et c'est tout à fait le contraire manière qui fin handle fin fait nous gagner mauvaise publicité et Maurice donc fin sorti bien mal.